De l'abbé Pierre Lot de Méholt. Ah, je l'aime beaucoup. De 1867 à 1870, quelle maladie Louis Pasteur étudia-t-il à la demande du gouvernement français ? La débirousse. La variole, la débirousse. Qu'est-ce que c'est ? Ben, il y a la fourre verte ou la débirousse, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est comme maladie ? C'est la diarrhée des lapins. Elle tenait dans le midi et dit putain, mes lapins, je sais pas ce qu'ils ont, la moitié qu'à la débirousse et l'autre la fourre verte. La diphtérie. Pasteur, il a jamais rien étudié, il a tout découvert par hasard. Il renversait un truc, plaque. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il voyait micro. Ah ben, il a découvert la pasteurisation. Il laisse bouillir un machin, pouf, le lait tourne plus. Un moment, il amène le. Parce qu'on va me raconter ce qu'on veut, mais qu'il ne s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Mesmer. Alors là. Pour la rage? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand on lui amène un petit enfant joli et tout, comme ça, j'ai été mordu par un chien. Viens sur mes genoux, mon petit Joseph. Alors l'idée de le truc formidable, c'est que vous voyez comme la légende se change, que le petit Joseph Mester est le mec qui a mordu le chien. D'abord, le chien, il était pour rien du tout. Le pauvre chien, on l'a tué. Le chien qui avait rien foutu. Cet imbécile d'Alsacien s'était baladé partout. Il mordait tout ce qui bouge. Il attrape un chien. Il le mord. Le chien, il gueule, il bave. Les mecs, il a la rage bouille. Et pour pas se faire engueuler, bah mordu le chien et tout. Alors on a vacciné Joseph Mesmer qui avait... Mais le chien est mort. Ouais. En fait, disons, le vaccin de Pasteur n'était pas au point du tout. Pasteur était un imbécile. En plus, il vaccinait du beurre, bon. Il paraît. Pasteur vaccinait du beurre. Non, il faisait du beurre pasteurisé, ce qui était... Ah oui, ça ne pas. C'est ça. Alors... Eh ben c'est comme ça qu'on... Comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre ? Avec des vaccins de la rage. On a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine, qu'on met... bon, vous savez comment on fait, c'est comme pour les spermatozoïdes, hein. C'est sur les vitraux. Les spermatozoïdes sur les vitraux. On a des vitraux et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux. Ah, in vitro, in ah vitro, oui. Oui, alors on a... alors vous croyez que ça fait beau dans les églises, tout ça dans les églises ? Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux? Bah c'est les embryons, monsieur l'abbé. Il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux. Ah, l'histoire de Pasteur racontée aux enfants. Pasteur, tiens, Pasteur, mon œil, oui. Non, non, alors là, il a été à la campagne. Tiens, et... Il ne peut pas rester enfermé à l'Institut Pasteur toute la journée au milieu de ses cornues. Qu'est-ce que vous avez contre Pasteur, qui est une de nos gloires scientifiques? J'aime pas la Marseillaise, j'aime pas les paroles, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Pasteur? C'est pas Pasteur qui a écrit la Marseillaise. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Non, je ne me permettrai pas, mais enfin, il y a un petit doute quand même. Il y a un doute. Enfin, c'est un nom comme ça, alors. On lui a demandé d'étudier les maladies d'une certaine espèce animale. Le pou de corps. Non, alors, le corps du espèce pou. Le morbac. Connu. Il a inventé la Marie-Rose. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, son épouse, charmante. Très charmante. Madame Pasteur, on n'en parle jamais. Alors, voilà une glorieuse, là, mais qui n'a pas été vraiment... Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Non. Et le repos du pasteur, c'est quoi? Le bon pasteur. Et parlera-t-on suffisamment de ces femmes qui, dans l'ombre, c'est derrière vrai. Les grands hommes, les aident à mener leur combat contre la vie et réussir dans l'existence? Et l'autre qui rentrait plein de saloperies, de chiens et tout, qui avait fait de la rage, plein de bave tous les soirs. Marie-Rose, lave-moi ma chemise. Hop, vas-y. Marie-Rose Pasteur à quatre pattes en train de rage. Ah, c'est beau, ça. Et l'autre, il revenait avec du lait caillé et tout, il cherchait la pasteurisation. Il s'en foutait plein sur lui, bourré de yaourt et tout. Et qui se tapait sans machine à laver? Encore Marie-Rose Pasteur, et vas-y, avec la brosse et tout. Oh là là, c'est pas vrai. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, c'est la mère de Denis, même combat. Hein.